T'es pas sur chaque ville. Voilà, il me prend mes glacés comme ça directement. Voilà, c'est le piment qui est doux, on joue pas le travail. Voilà, ça ce sont mes glaciers. Il y a d'autres glaciers qui sont de l'autre côté. C'est pour remplir le poisson. Donc on ne joue pas avec le travail. Le travail paye. Il n'y a rien dans la jalousie. Il faut souffrir pour réussir. Voilà. Dieu, c'est la tombée sur moi. C'est un peu quand j'ai payé ma voiture. Là, pour le moment, le fourgonnette, c'est sur bateau, ça vient. Donc, rassurez-vous, vu que Olopacha se porte bien ensemble, vous allez voir la suite. Voilà. Plaisant pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc je joue pas avec le travail. Faut les regarder travailler. C'est ça dit, le travail paye. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la carte de là. On joue pas avec le travail. Voilà. À Jacquesville. Elle est bien arrivée à Jacquesville, direction Tukuzi-Ozalem. Tout à l'heure, vous allez voir la route qu'on va prendre pour aller. Voilà. Donc, c'est le travail qui paye. Ici, ils ont jailli. Et quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre que la vie est dure. Dans la vie, il faut souffrir pour réussir. Ça, c'est mon slogan. On joue pas avec le travail. On joue pas avec le travail. Voilà. Le travail paye. C'est mieux de travailler que aller te vendre. C'est mieux de travailler que aller voler. C'est mieux de travailler qu'aller agresser. C'est mieux de travailler qu'aller donner ton cuir. Le travail paye. C'était mon Olopacha l'empereur.
faut souffrir pour réussir, c'est ça. On ne joue pas avec le travail. Il y a mon frère qui me dit, mais on veut payer voiture. Oui. Dans la vie, il faut souffrir pour reçu. Dieu aime ça. Dieu aime pas tout ce qui est facile. C'est le marabout qui aime tout ce qui est facile. Parce que le marabout qui te donne, en retour, il veut quelque chose. Mais avec Dieu, c'est le temps. Quel que soit ton âge, c'est le temps. Donc dans la vie, il faut souffrir pour réussir. Demain, ça va être une 4-4. Après demain, ça va être des jaguars. Mais pour le moment, c'est en passé. Et je ne regrette pas. Il faut souffrir pour réussir. Je mange mon arachide. Je vous invite. Hein. Ouais, bon, hein. Je vous invite. Ouais, mon frère. Lui, sa voiture est gâtée. Il dit, pourquoi tu ne peux pas voiture? Il a roulé pour toi 10 000 par jour. C'est important, ça vient avec le temps. Vous pouvez assez presser. Mon frère, j'ai payé ça pour toi. En ensemble. Voilà. Donc dans la vie, il faut souffrir pour réussir. Voilà. Je suis fier de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne regrette pas. Voilà. Vous me suivez. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est pour la jeunesse. Voilà. En ensemble, c'est de moi. Direction Toukouzo Salem, voilà, c'est ça, a dit la vie c'est comme ça. La vie, Toukouzo Salem, voilà. Bon, Fata Kabori, la famille, on prend la route, hein. On prend la route de Toukouzo. Pas de l'amusement. On va chercher les vrais poissons. Les poissons tous. Les vrais poissons bio. Voilà. Ici avec mon tonton qui est à côté là. Voilà. C'est le père fondateur. C'est lui-même qui peut vendre les poissons. Les vrais poissons tous. Hein. Il y a eau douce, il y a la mer. Hein. On ne joue pas avec le travail. Vous allez voir Toukouzo Salem tout à l'heure. Ils vont filmer, ils vont prendre le village. Vous allez voir que c'est pas petit village. En ensemble. Voilà, Pati. Thank you.
Quand il vient, c'est ici, il dort. Voilà, c'est ma petite chambre. Voilà. Elle est bien arrivée. C'est arrivé avec mon frère. Donc, tout à l'heure, on va sortir, aller chercher à manger, se laver, puis demain, c'est un autre jour. Voilà, la suite, c'est demain. Affaire à suivre. Le matin, on va aller un peu. Voilà. On vient à peine de se réveiller. Ici, c'est un village, pas comme les autres. Un village modèle, voilà. Un modélisé. Voilà. Donc, on vient à peine de se réveiller. Voilà, bien en forme. J'ai fait l'église dès 5h du matin. Donc, on va attaquer maintenant la lagune. Mon frère va visiter et il va filmer partout à Zaïn. Sur l'eau, tout et tout, il prend mes poissons, place forme, tout et tout. Donc, vous allez voir la vie de Olopacha l'empereur. Vous allez regarder la vie de Olopacha, comment Olopacha se débrouille dans sa vie, comment il réalise ses rêves. Au fur et à mesure, ça va aller. Donc, c'est pour tous les jeunes, et je répète encore, c'est pour tous les jeunes. Mettez-vous au travail. Sans le travail, nous ne sommes rien. Donc, la suite, c'est pour tout à l'heure. Comme vous le constatez, on est déjà au bord de la lagune. Il y a des pêcheurs de l'autre côté. Il y a d'autres qui sont montés, qui sont redescendus. Donc, nous, on va emprunter cette pinasse. Ouais. Donc, vous voyez que ce n'est pas de l'amusement. Où je prends les poissons, c'est à Tukuzo Zalem. Voilà. Vous dites que le poisson même est béni. Ce sont des poissons raffinés, des poissons bio, des poissons pas comme les autres. Ce sont des poissons de qualité. Voilà. Ce n'est pas les poissons élevage, ce n'est pas les poissons bizarre. Ce sont des poissons stickers. Voilà. C'est ici, je prends mes poissons. Et tout à l'heure, vous allez voir la suite. Affaire à suivre. Toujours. Thank you.
déjà sur le départ. Comment les faire? On va suivre Azani actuellement. Regarde mon dit quoi. Pour prendre les poissons d'eau douce. Crabe, macharon. Voilà, on vient à peine d'arriver. Voilà. Donc, allons. Ici, on pêche, ici, on prend tous les poissons. C'est une île. Donc, comme vous voyez, c'est un tout petit village. Ça veut dire que c'est un village de pêcheurs. Voilà. Donc, vous avez vu et vous pouvez constater même les maisons et tout. Voilà. Seulement les pêcheurs qui vivent ici. Voilà. C'est la crabe femme. Crabe femme. On vous dit là, c'est le mardi là-bas. C'est pas grave, femme. C'est ma femme machine. C'est ma machine. Là, ce gars-là, c'est quoi? Bon, c'est ça, bon, ça, c'est. Bon, c'est mélangé quoi? C'est femme. Bon, ambassade. Quand je mets là, il y a œuf, mais tu vois, il n'y a pas œuf là. C'est femelle, mais il n'y a pas œuf. Oui, il n'y a pas œuf. Ouais, ça. Waouh, ça. Oui, c'est là-bas. Eh Bigo, ils connaissent l'homme là, mais ils ont discuté beaucoup. Ils savaient bien que. Ils savaient bien qu'il y avait quoi. Vous avez vu? Ce sont les pêcheurs. Wow. J'y crois avec le travail. Et ils s'amusent. Bonjour.
Bonjour. Quand on parle des vrais poissons, vous pensez sérieusement ici à crabe. Pour tous ceux qui ont besoin de crabes chez Charles Bivois. Voilà, je vais vous envoyer quelque part où on paie des crabes. Voilà. Voilà. C'est ça la vie, c'est tout ça, c'est ça. Je ne suis pas avec le travail. Voilà. Allez, il y a crabe femme. La vieille dit, je voulais ça, elle dit, elle ne me donne pas qu'elle amène ça à Abidjan. Ok, c'est pour manger, et tout moyen, il fait une fête. La vieille, en discuter, tout prendre, il y a tout là en discussion. Oh, pardon mon fils. Hmm? Pardon. Donc, ici, avec mon glanzan, un grand pêcheur, un grand nageur. Et puis, ils ont sauté là, on va discuter. Voilà. Donc, on se promène. Ceux qui crient que non. T'as plus la rapade, c'est ici. C'est ici la souffrance. Voilà. On va voir. Un truc de fumée sur lui. Eh, pardon, j'amoute, pardon. Ouais, c'est Mato là même. Dis-moi, tu dis, moi, tu es venu, tu sais pas qui t'es venu. Ma génération, quand tu dis ma génération, on a le même âge, mais il est vieux que moi. Regardez sa tête, la cheville blanche. À force de fumer, boire. Eh, là, c'est quoi, voilà. Un vieux caché. C'est ma tante. Viens voir. On a parlé de demander. Ça, ça, il fait présentement. Voilà, ça c'est non, sur les... Regardez ta petite là-dedans. Ouais, des vraies crevettes. Est-ce que vous voyez? Ici on appelle ça Zaya. C'est une où des pêcheurs seulement vivent. Donc vous voyez ce qui se passe. Vous voyez non? Voilà, donc il va vous présenter le chef des Aïzi ici. Il s'appelle... Viens ici. Viens. Non, viens, mais c'est ça. Tu es le plus grand pêcheur. Non. Le plus grand pêcheur. Donc famille, c'est mon frère. C'est mon frère. Oui, il n'est pas mon habit de pêche. Voilà, il est son habit de pêche. Donc mais c'est rien. Mais non. Donc tu voulais te saper pourquoi? Non. Y a lui. C'est un pêcheur mon activité, mais c'est pas. Mais c'est ça. On doit te voir pour dire vraiment tu pêches. Y a un peu les mains, ça rend frais. Tu aussi. Gazé. Bon, tout à l'heure on discutait, ok. Donc non, t'inquiète. Abeda Azaye Namawal n'a pas de frère cœur. Azaye Namawal Azaye n'a pas de cœur. Bouwe Azaye. Premier. Il dit que parce que ça Azaye, c'est premier Azaye. Ça travaille ici. Ça permet de l'eau. Garder passion, cavette, clap. Non mais il a laissé quoi? Mais toi faut l'attraper. Non, tu prends ça là, tu laisses. On prend ça là. Je prends ça là un peu. Bois-moi un peu. Donne un peu. Et maintenant il pleut. Donc c'est maintenant ça va commencer. Eh ben demande 4 kilos. Bon. C'est donc le Quatel empereur. Le fils de Monsieur Dupro Poto.
Dans l'eau là. Oui, c'est pas cela. C'est comme ça. Il a marché dans l'eau. C'est la période où l'eau remplit dans le village. Donc il doit marcher. Ouais. Normalement, on doit. On doit marcher. En octobre, on doit marcher dans l'eau. Il le connaît. Lui, c'est mon type. Ton souci, le souci c'est lequel? Parce que ma mère m'a mis. Il y a des yas. Ma mère m'a mis. Ma mère m'a mis. Un qu'un jasque fou pas. Non, kacha, on a mis. Ma mère m'a mis. Non, bon, elle est ma. Ah, ben, y'a un gradient. Ah, y'a un somme. Ma mère m'a mis. Il va être ri. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a traduit ça en français. Il dit, s'il pouvait me frapper là, il allait prendre tout mon argent. Mais qu'il ne peut pas me frapper, ça coûte mes rires. Sinon, il y a toutes les choses, ok. Il a tout le temps quand même. Et donc quand tu vois Bimba, ça va que c'est le patron l'empereur, c'est lui qui est là. Le seul bro, le seul bras du Yorobo. Il n'y a pas l'homme. Oh le patron l'empereur. Oh le patron l'empereur. Oh le patron l'empereur. Oh le pacha l'empereur, y'a pas l'homme pour le pacha, y'a pas l'homme pour y'a pas l'homme pour l'eau, y'a pas l'homme. C'est le vendeur de poissons, le piment qui est tout. Ton frère. Le piment qui est tout. Voilà, il va te baisser des pieds. Tu prends tes baisers. C'est ainsi, on va t'avoir acheté ces poissons. Le piment qui est tout. Est-ce qu'on le veut des choses? Pas attendre. Il n'y a rien poussé. C'est fois-ci. Voilà. Attendez, la pluie va s'arrêter. Pas attendre. Non, plus ça va pas attendre. Pas attendre. Yes. Monter. C'est ici où l'eau aussi prend sa bénédiction. Et c'est ici aussi où l'eau est baptisée. Baptisé. Je suis baptisé, confirmé ici. Je suis baptisé ici dans l'église qu'on appelle l'église Papa Nouveau. Voilà. Et c'est ici où il prend ma bénédiction. Voilà. Je n'ai pas peur de quelque chose parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà. Parce que celui qui est derrière moi, il est du costaud. Voilà. Lui, tu m'as baptisé aussi. Il est prêt. Voilà. C'est un envoyé de Dieu. Donc, c'est ici, il prend mon doigt où? Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est ici aussi, au l'eau. Avant de prendre ses poissons, il vient prier d'abord avant d'aller vendre ses poissons. C'est ici. Ce n'est pas médicament. Dieu,
il est mon féticheur. Dieu, il est mon marabout. Dieu, il est tout pour moi. Donc sans Dieu, nous sommes rien. Merci. Voilà, bon appétit. On mange des vrais poissons. Voilà. Maintenant, on va manger. Maintenant, on se caresser les gorges. Tu veux pas attendre d'abord? Qu'est-ce qu'il y a même? Tu es pressé pour aller où même? Eri, hé, il y a un plan d'attente. Tu vas où laisser ça? On vient qui arrête de pêcher. Ah. Oh. Ça va te mettre à mourir. Bonne famille, voilà, c'est mon départ. Je rentre sur Abidjan, j'ai fini pour faire ce qu'il pouvait faire, j'ai fini pour mes poissons. Donc je rentre. Abidjan, le travail m'attend. Donc le travail paye. Voilà, je paye le travail. C'était mon lopatchalam. Ouais, c'est le travail qui paye. C'est le bara qui paye.